Un excellent premier jour des pains sans levain. Occasion vraiment spéciale parce que tout de suite après avoir célébré la Pâque, on recommence le cycle merveilleux des fêtes annuelles de Dieu. Reportez-vous pour commencer à Exode chapitre 12, s'il vous plaît. On va revoir un peu le contexte des fêtes que nous célébrons. Quand Dieu les a décrétées la première fois à sa nation d'Israël. Et le titre du sermon aujourd'hui pour vos notes, « Vers un changement intérieur total ». Vers un changement intérieur total. Et c'est ça le sens des pains sans levain. C'est qu'on sort de nos vies les choses qui sont contraires aux voies de Dieu, contraires à ses lois. Et c'est notre travail en tant qu'appelé de Dieu de changer pour développer le caractère du Christ. Alors, voyons le contexte ici. Qu'est-ce que Dieu a dit à sa nation d'Israël? Exode 12, versets 1 à 3. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, ils étaient encore esclaves, rappelez-vous, à ce moment-là, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. » Et on vient de commencer le début de l'année selon le calendrier sacré de Dieu. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Alors, il donnait ici la directive, comment préparer la Pâque à ce moment-là, avec les symboles physiques, ce qui a été remplacé, bien sûr, plus tard, lorsque le Christ est venu, par l'offrande de sa personne lui-même. Allez au verset 11 maintenant. Alors, on sait qu'ils avaient la directive d'immoler le petit agneau à un moment précis, de mettre le sang du petit agneau sur les portes de leur maison. Ils ne devaient pas sortir de la nuit et ils devaient manger ce petit agneau-là d'une certaine façon. Verset 11, « Quand vous le mangerez, et c'est là-dessus que je vais attirer votre attention, « Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Vous le mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. » Et déjà, il y avait un message puissant de Dieu pour sa nation à ce moment-là. C'est qu'il fallait être prêt. Il fallait avoir un sentiment d'urgence, que quelque chose de grand qui s'en venait. Et pour eux autres, dans les heures suivantes, après que l'ange de la mort aurait passé par-dessus leur maison, épargnant leur famille, leur premier-né, et après que les premiers-nés des Égyptiens et des animaux étaient morts, eux allaient devoir quitter l'Égypte où ils avaient été esclaves pendant si longtemps. L'Égypte représentant le péché. Et c'est pour ça que nous, on doit sortir littéralement du péché, de nos anciennes voies de fer. Et on parle de ça comme d'une sortie de l'Égypte aussi. Ce qui est dans l'Ancien Testament est symbolique de ce que nous avons à faire maintenant. Mais on voit qu'il y avait un sentiment d'urgence là, lorsqu'ils ont pris la Pâque. Maintenant, verset 15 du même chapitre. « Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. » Et là, on commence ces 7 jours-là. Et à chaque repas, on prend un petit morceau de pain sans levain. Et on ne mange pas de produits levés. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé, du premier jour au 7e jour, sera retranchée d'Israël. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. C'est ce qu'on fait maintenant. C'est l'ordre de Dieu auquel on obéit. Et le 7e jour, vous aurez aussi une sainte convocation. On ne fera aucun travail ces jours-là. Pourquoi? Parce que ce sont de grands sabbats, sabbats annuels. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Alors ici, le fait de ne pas manger de pain levé, le levain représentant le mal ou la transgression des lois de Dieu, c'est que ça nous rappelle constamment au cours de cette semaine particulière qu'on doit éliminer ce qui n'est pas en rapport avec les lois de Dieu, ce qui n'est pas conforme à ses voies. On doit l'éliminer avec l'aide de Dieu de nos vies. Et on doit avoir ce sentiment d'urgence. Surtout nous qui sommes rendus à la fin de l'histoire, pour ainsi dire, parce que nous sommes dans les tout derniers jours. On est sur le seuil d'événements majeurs. Versets 37 et 38 du même chapitre.
Les enfants d'Israël partirent de Ramsès dans la foulée des mêmes événements, lorsque Dieu leur en a donné l'ordre, pour Succot, au nombre d'environ 600 000 hommes de pied, sans les enfants. Ça veut dire qu'ils étaient peut-être 2 millions, 2 millions et demi de personnes en tout, avec les femmes et les enfants. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et de bœufs. Verset 39, on voit ici, « Ils firent des gâteaux cuits sans levain avec la pâte qu'ils avaient apportée d'Égypte et qui n'était pas levée, car ils avaient été chassés d'Égypte sans tarder la situation d'urgence que je vous avais parlé, et sans prendre de provisions avec eux. » Et là, il donne le temps que le séjour avait duré au pays de l'Égypte. Verset 41, « Au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. » Verset 42, « Cette nuit-là sera célébrée en l'honneur de l'Éternel parce qu'il les a fait sortir du pays d'Égypte. » C'est lui qui les a fait sortir. Comme c'est lui qui nous aide à sortir de nos fautes, de nos faiblesses et à sortir des façons de faire de cette société. Cette nuit, c'est un commandement qui s'est ajouté ici, cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel par tous les enfants d'Israël et par leurs descendants. Nous sommes ces descendants-là aujourd'hui. Et on a célébré hier soir, cette même nuit, qui signifiait notre libération de l'esclavage, parce que le Christ, l'agneau pascal, a donné sa vie, on a été baptisé, on a été lavé de notre vie passée. Maintenant, on vit en nouveauté de vie, et par sa puissance, on peut devenir sans levain. On peut vaincre le péché et le mal en nous. Alors, c'est pour ça qu'hier soir, on avait tellement de reconnaissance puis d'enthousiasme, parce que ça représente vraiment notre libération. Il y avait de la joie, il y avait du bonheur. Au baptême, on a été pardonné de toutes nos fautes. Mais on ne doit pas retourner en Égypte. On ne doit pas retourner à nos anciennes fautes ou à nos anciennes voies. Il faut s'en débarrasser. Allez à Romains 6. Romains chapitre 6, s'il vous plaît. Un passage qu'on utilise quand on prépare quelqu'un pour le baptême aussi. Romains chapitre 6. Et on va lire versets 1 à 4. Ici, Paul, dans le fond, nous rappelle les pains sans levain, mais sans le mentionner. Que dirons-nous donc? Est-ce qu'on demeurerait dans le péché afin que la grâce abonde? Paul dit, est-ce qu'on peut continuer volontairement à pécher pour que Dieu peut nous pardonner encore plus? Ça n'aurait pas de sens. Loin de là, c'est le contraire. Nous qui sommes morts au péché. Parce que lorsqu'on a demandé le pardon à Dieu, c'est parce qu'on a reconnu qu'on a causé la mort de notre Créateur et qu'on voulait être lavé de nos fautes. Et à ce moment-là, on dit, je veux être mort au péché, je ne veux plus refaire ces fautes-là, ni d'autres fautes. Nous qui sommes morts au péché, comment est-ce qu'on pourrait encore vivre dans le péché? Alors ça, c'est les pains sans levain. C'est ce qu'on célèbre cette semaine, puis qui nous encourage à continuer dans le même sens. Versets 11 à 13. Lisons versets 11 à 13. « Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché, dans le sens que je vous ai dit. Il faut qu'on éloigne le péché de nous, qu'on ne tombe plus dans ce piège-là. Et regardez-vous comme étant vivant. » Mais oui, la nouvelle vie, là, la nouvelle créature qui est sortie des eaux du baptême. Quand on a sorti des eaux du baptême, c'était la première journée de notre vie spirituelle. Et c'était aussi au moment de l'imposition des mains, la première journée de notre vie éternelle, parce qu'on avait le Christ en nous au moment où on a reçu l'imposition des mains et où le Saint-Esprit nous a été donné, qui est un dépôt de la vie éternelle. Regardez-vous comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ, voyez-vous, parce qu'on est maintenant associé directement à Jésus-Christ, il vit en nous. Et il continue en expliquant encore plus en détail, verset 12. Que le péché ou le levain ne règne donc point dans vos corps mortels. Et ça, c'est le combat qu'on a à faire et qu'on aura à faire jusqu'à temps qu'on soit transformé totalement. Ça, il faut en être conscient. Il ne faut pas que ça nous effraie. On a le chef de l'armée de l'Éternel sur qui on peut compter, le Christ en nous. Mais il ne faut pas que ça nous effraie qu'on aura des combats à mener jusqu'à temps qu'on soit changé complètement.
et n'obéissez pas à ses convoitises. N'obéissez pas aux convoitises de votre chair. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, ce que nous faisions avant de connaître le vrai Dieu. Mais donnez-vous vous-même à Dieu. Donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez. Avant, on était sous l'amende de la mort éternelle. Mais maintenant, on a un dépôt de la vie éternelle, de mort que vous étiez. Et offrez vos membres comme des instruments de quoi? De justice. Parce que si je m'applique à vivre selon les lois de Dieu, je deviens un témoignage vivant de ce qu'est la culture divine, de ce que sont ses lois. Quand j'observe le sabbat, par exemple, que je cesse mon travail avant le coucher du soleil le vendredi soir, je suis un instrument de Dieu qui vit selon sa justice. C'est ça. Et c'est pareil dans chaque élément que Dieu nous dit de faire ou que Dieu nous dit de vivre. Et pour ça, ça c'est un travail intérieur. C'est un changement de cœur total. Et c'est pour ça que j'ai intitulé mon sermon « Vers un changement intérieur total ». Parce que ce travail-là, il ne sera pas terminé avant le retour de Christ, mais il va falloir y tenir et continuer. C'est pour ça que la Bible parle si souvent de persévérer. Persévérer. Parce qu'en tant qu'être humain, on se lasse un peu ou on a tendance parfois à baisser les bras ou à prendre les choses comme allant de soi ou à se donner un petit peu de répit. Mais en ce qui concerne le mal, il ne faut pas se donner de répit. Parce que là, on est en danger à ce moment-là de l'adversaire ou du lion rugissant. Allez dans Romains chapitre 2, juste un peu avant. Alors, on est en changement de cœur actuellement parce que tout commence dans le cœur, dans la pensée. Et c'est là que les changements doivent d'abord s'opérer, puis ensuite les changements paraissent dans notre vie extérieure. Je trouve ça formidable quand j'entends des gens, par rapport à leurs frères et à leurs sœurs dans l'Église, dire « C'est formidable comment cette personne-là a changé. C'est plus la même. » On en parlait même au dîner tantôt avec certaines personnes, comment une personne qui était avec nous avait changé beaucoup par rapport à ce qu'elle était avant de connaître Dieu. Mais ça, c'est formidable d'entendre ça. Parce que ça veut dire que les changements de cœur se sont opérés et continuent à s'opérer. Et là, on est sur la voie de la vie éternelle. Nos corps, nos pensées, nos actions deviennent des instruments de justice. Romains 2, verset 28. Romains 2, verset 28. Le Juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences. Parce que le Juif, comme vous allez voir, le véritable Juif spirituel, c'est celui qui devient comme le Christ, qui marche dans ses voies, qui obéit aux lois de Dieu. Alors, le Juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Pourtant, ça avait été une pratique depuis Abraham de circoncire les garçons. Mais maintenant, sous la Nouvelle Alliance, on nous a expliqué, Dieu nous explique dans sa Bible que la circoncision, ce n'est pas celle qui est physique dans la chair, mais c'est celle du cœur. C'est un changement de cœur. OK? Et il l'explique bien ici. Mais le Juif, c'est celui qui l'est comment? Intérieurement. Ça commence en dedans. Et la circoncision, c'est celle du cœur selon l'Esprit de Dieu et non selon la lettre. La louange de ce Juif ne vient pas des hommes, mais vient de Dieu. Et c'est intéressant parce que il y a un jeu de mots ici qu'on ne voit pas en français, mais dans le texte original, ça a une plus grande signification parce que le nom Juif veut dire louange, ou la louange du Juif, ou le Juif du Juif vient de Dieu. Le nom de Juif veut dire louange. Alors, ce que Dieu cherche dans chacun de ses élus, c'est justement ce travail intérieur-là de changement. Et quand viennent les fêtes, je sais que Dieu regarde le cœur de chacun de ses enfants pour voir le chemin parcouru. Parce que ce qui l'intéresse, c'est de voir notre croissance. Hein? Il dit « croissez dans la grâce, dans la grâce, dans la connaissance ». Croissez dans la grâce, ça veut dire croissez à la faveur de Dieu. Et pour avoir la faveur de Dieu, c'est parce que j'essaie d'y faire plaisir, j'essaie d'y plaire. Et là, je grandis dans sa faveur. Et plus je fais ça, plus j'ai la connaissance, plus j'ai la compréhension des choses. Parce que Dieu donne son esprit à ceux qui lui obéissent. Et plus on essaie de lui obéir,
plus Dieu donne son esprit. Et c'est formidable de voir quand quelqu'un est appelé et que la personne commence à pratiquer les lois de Dieu, ça s'ouvre. La personne avait lu des choses avant, mais n'avait pas compris. Et là, tiens, hey, là, j'ai compris ça. C'est pas une surprise. C'est une intervention d'en haut. Mais c'est une bénédiction parce qu'il dit, selon sa promesse, que je donne mon esprit à ceux qui obéissent. Colossiens 2. Colossiens chapitre 2. Et on va lire versets 11 à 13. On va commencer au verset 11. Et c'est en lui, dans le Christ, que vous avez été circoncis. On revient là-dessus. Mais je vous parle de circoncision intérieure. C'est en lui, dans le Christ, votre Sauveur, que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite. Voyez-vous, ce n'est pas physique. Mais de la circoncision de Christ, qui consiste en quoi? Dans le dépouillement du corps de la chair. De rejeter ce qu'on doit rejeter. Le dépouillement de notre ancienne façon de faire, ou de vivre, ou de penser, ou d'agir. On se débarrasse de ça. Ayant été enseveli avec lui par le baptême. Quand on a été plongé dans les eaux du baptême, on a été littéralement lavé par le sang de celui qui a donné sa vie pour nous. C'est ça ici. Enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité avec lui, la personne nouvelle qui est sortie des eaux du baptême, là, en nouveauté de vie, premier jour de la vie éternelle, premier jour de la vie spirituelle profonde, et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses, c'est à cause de nos péchés qu'on était sous la main de la mort, et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu la vie en vous donnant le dépôt de la vie éternelle avec le Christ, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. C'est grand. C'est énorme. Allez à Deutéronome 10, s'il vous plaît. Ancien Testament. Deutéronome, chapitre 10. Et tout ce que Dieu fait, c'est pour notre bonheur. Tout ce que Dieu fait, c'est pour le bonheur des êtres humains. Deutéronome, chapitre 10, et regardez le verset 16. C'était déjà mentionné dans l'Ancien Testament, cette question de la circoncision du cœur. C'était déjà présent, là, même si à ce moment-là, on procédait à la circoncision physique. Regardez le verset 10. Il dit, « Vous circoncirez donc votre cœur, et vous ne raidirez pas votre cou. » Donc, vous ne serez pas rebelles aux lois de Dieu. Vous allez vous soumettre à votre Dieu. Vous allez vous laisser être conquis par votre Créateur pour marcher dans ses voies. Mais vous allez circoncire votre cœur. Et pourquoi est-ce que Dieu demande ça dans l'Ancien Testament? Et pourquoi qu'il nous le demande à nous maintenant? Regardez le verset 12 et 13. Ça nous dit en quoi il veut qu'on change et ça nous dit pourquoi. « Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu? » Voici ce qui s'attend de nous. « Si ce n'est que tu craignes l'Éternel, pas avoir peur, non. Avoir ce respect profond envers celui qui a toute l'autorité et toute la puissance de l'univers. C'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu. Pourquoi? Afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, pas à demi, pas de temps à autre, pas en gardant des jardins secrets dans notre vie. Non, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Écoutez, tous nos œufs, pour ainsi dire, sont dans ce panier-là. Notre vie est dans ce panier-là. Notre vie est éternelle, elle est là. Alors, on ne doit pas avoir, comment je dirais, de demi-mesure dans notre façon de considérer ça. On est là pour se rendre au bout, mais il faut y être de tout cœur. Et regardez, verset 13. Qu'est-ce que l'Éternel attend de toi, si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ces lois que je te prescris aujourd'hui? Pourquoi? Afin que tu sois heureux. Afin que tu sois heureux. Comme un bon papa qui dit à ses enfants, « Faites pas ça, faites ceci, vous allez être bien, vous allez réussir, ça va bien aller. » C'est exactement ce que Dieu a fait avec l'humanité. C'est ce qu'il fait avec nous maintenant. Malheureusement, la nation d'Israël n'a pas gardé ça longtemps dans sa mémoire. Ils ont changé. Ils ont voulu faire les choses à leur façon. Mais nous, on doit être conscient de la grandeur du sacrifice de Christ. On doit être conscient de la grandeur de notre appel
et du fait qu'on doit être en feu, littéralement, pour terminer l'œuvre et que Dieu termine en nous l'œuvre qui a commencé. M. Armstrong disait souvent ceci, « Les vrais serviteurs de Dieu sont ceux qui sont vraiment, totalement conquis par Dieu. » Les vrais serviteurs de Dieu, ce sont ceux qui sont vraiment, totalement conquis par Dieu. Nous ne sommes pas encore à ce point-là, mais il faut être en train d'y aller. Il ne faut pas se décourager. Je disais ça à quelqu'un au repas ce midi. La personne parlait du chemin qu'elle avait accompli depuis qu'elle était dans l'Église sur certains points. Et je dis à la personne, c'est intéressant que Dieu nous aide à réaliser ça parfois, parce que c'est un encouragement. On sait qu'on a gros du chemin à faire encore. Mais ça nous encourage de regarder aussi, de s'examiner en voyant le chemin que Dieu nous a donné de faire déjà. Parce qu'on dit, bon, bien ça, je l'ai eu, là. Je suis rendu là, je suis rendu beaucoup plus loin que j'étais quand Dieu m'a appelé. Et ça, c'est un encouragement, et il veut qu'on le voit comme ça. Comme on fait avec des enfants en disant, regarde, ce que tu as fait là, je suis content, tu as réussi. Maintenant, je vais te montrer d'autres choses. Mais ce que tu as fait jusqu'à date, c'est beau, on continue. Dieu fait la même chose. Et c'est pour ça qu'on reprend la célébration des mêmes fêtes année après année pour approfondir les choses et pour s'encourager d'aller plus loin. Même si on est baptisé, même si on est membre de l'Église depuis longtemps, il y a des membres ici qui sont dans l'Église depuis 25, 30 ans, 35 ans, il faut constamment continuer à s'examiner puis à être sur nos gardes. On doit constamment continuer à se purifier. Vous irez voir dans la dernière page de votre Bible, quand Dieu parle du temps de la fin, il dit que ceux qui se purifient encore, et que ceux qui se souillent encore. Là, il y a un fossé qui va se séparer à un moment donné. Et Dieu va tracer la ligne entre ceux qui lui appartiennent vraiment et ceux qui ne lui appartiennent pas. Alors, c'est un rappel en même temps aujourd'hui. Comme il avait fait avec Israël ancien quand il leur a dit « Vous allez célébrer la Pâque, mais vous allez la manger à la hâte. » Et vous allez sortir ensuite le lendemain du pays d'Égypte à la hâte. Et bon, nous, c'est la même chose. On doit avoir cette hâte et ce zèle, cette ardeur-là, si vous voulez. Et rester éveillé, rester sur nos gardes. C'est pourquoi Paul a dit, pas besoin de vous y reporter, mais vous irez voir dans 1 Corinthiens 10, verset 12. 1 Corinthiens 10, verset 12. Paul s'adresse à des gens de l'Église ici, là. Il dit que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Puis ça c'est un piège très subtil. Parce qu'on peut avoir l'impression, parce qu'on connaît la Bible, on peut avoir l'impression parce qu'on est baptisé, ou on peut avoir l'impression parce qu'on est dans l'Église depuis un certain nombre d'années, ou depuis plus longtemps encore, qu'on est sécurisé, que c'est comme si c'était fait. Non, ce n'est pas fait. Ce sera fait quand ce sera fait. Ce sera terminé quand ce sera terminé. On sera rendu quand on sera rendu. D'ici là, il dit, faites attention, soyez sur vos gardes. Que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Si on est conscient de ça, ce n'est pas pour avoir peur, mais c'est pour continuer à vivre proche de Dieu, à l'étudier chaque jour sa parole, à le prier chaque jour, à remettre notre vie entre ses mains, à se laisser conquérir, à le supplier que le Christ combatte pour nous. C'est ce qu'il faut faire. Parce que sans trop s'en rendre compte, il nous faut arriver à ne plus nous comparer aux autres, jamais. Parce que ça, c'est un autre piège. Ne plus nous comparer aux autres, jamais, et ne plus nous comparer dans ce sens-là non plus à qui que ce soit qui pourrait sembler plus faible que nous. Qui sommes-nous pour juger les cœurs des autres? Mais la Bible nous enjoint à plusieurs reprises de ne pas nous comparer aux autres, parce que c'est un piège qui limite celui qui se compare. Il faut absolument se rappeler que pour nous, le seul point valable de comparaison, c'est le Christ lui-même. Puis là, la marche est haute par rapport à où je suis, moi, par rapport à où vous êtes aussi, par rapport à où on est tous dans l'Église. Parce que c'est la stature parfaite du Christ vers laquelle on s'en va. Mais c'est au Christ qu'on doit se comparer. Il doit être notre exemple en toutes choses. Mais si on fait ça, si on garde nos yeux sur le Christ, puis qu'on se compare à lui, puis qu'on change pour devenir comme lui, ça nous aide à réaliser à ce moment-là le chemin qui reste à faire. Parce que si je tombe dans le piège
de me comparer à quelqu'un que je pense être plus faible que moi et que je me sens bien, ça m'amène à aller moins vite, à me trouver bon, à trouver que j'ai mon billet et est assuré pour la vie éternelle, alors que ce n'est pas le cas. Ça, je dis que c'est un piège à ce moment-là. Et par le fait qu'on se compare au Christ, pas aux autres, à personne d'autre, ni dans l'Église, ni dans le monde, par le fait qu'on se compare au Christ, ça nous tient en alerte. Ça nous tient en alerte, parce qu'on voit la marche. On lui demande son aide. Il y a un piège majeur, comme je dis, à se comparer à des plus faibles, qu'on pense plus faibles, ou à d'autres, même dans le monde, parce qu'à ce moment-là, ça nous amène à nous penser meilleurs, à nous penser supérieurs, et par conséquent, à moins voir notre besoin de changer, de s'améliorer, de grandir, ou d'aller vers la stature parfaite du Christ. Plus que jamais, on doit se laisser conquérir par Dieu. C'est pour ça que M. Armstrong parlait si souvent du fait que les vrais chrétiens sont ceux qui se laissent totalement conquérir par Dieu. Plus que jamais, ça doit être notre cas. Et plus que jamais, on doit, je dirais, être conscient qu'on est engagé dans un combat de tous les jours et de tous les instants. Parce qu'on n'est pas dans le monde de Dieu. Et les pressions autour sont très fortes. Et parfois, fortes mais subtiles. Ça ne semble pas contraire à la voix de Dieu. Et c'est là qu'il faut demander le discernement. Et plus que jamais, on doit avoir à cœur de continuer à changer. Vous savez, je ne vous apprends rien. Vous connaissez les prophéties. Vous savez qu'on approche maintenant rapidement de la fin de la société actuelle, qui est de plus en plus malade et de plus en plus corrompue. Les nouvelles sont farcies d'horreurs de toutes sortes, de convoitises, de vols, de cruautés, et ça augmente. Et ça augmente. On voit des meurtres, des enfants qui tuent leurs parents, et l'inverse aussi. Ça se répand un peu partout, à part des autres cruautés dont je ne vous parle pas. Et vous, sans nous en rendre compte complètement, on est de plus en plus influencé par les attitudes générales de la société autour de nous, qui est en dégradation morale majeure. Et ça, c'est tout autour de nous. Et ça, j'attire votre attention là-dessus. Il faut que vous et moi, on soit conscients qu'on est encore dans ce monde-là et que ces influences-là sont là, tout le tour. Parfois, c'est clairement opposé aux voies de Dieu. D'autres fois, c'est subtil. C'est comme l'approche du serpent, là. Et il faut être conscient de qui on est. De qui on est, puis garder notre place. Il faut rester conscient et nous encourager les uns les autres à développer de plus en plus les valeurs de Dieu puis la culture de Dieu. On est la lumière du monde, hein? C'est ça que le Christ a dit. Vous devez être la lumière du monde. Vous devez être le sel de la terre. Alors ça, c'est une démarche consciente. On n'est plus comme on était. Puis j'espère que demain, je serai autre qu'aujourd'hui, et ainsi de suite, jusqu'à temps que le Christ me transforme complètement. En tant que chrétien, on doit avoir les yeux sur le Christ, celui qui donne la foi et qui l'amène à la perfection, comme c'est écrit. Et on doit travailler à devenir comme lui. Mais je dirais ceci, attention, danger. Je reviens encore là-dessus. Parce que c'est important, je veux vous éveiller à ces dangers-là qu'il y a autour. Attention, danger. Parce qu'on ne doit pas se présumer juste, correct et bon, simplement parce que nous percevons, en quelque sorte, nous-mêmes comme étant un peu au-dessus de la moralité du monde autour de nous. Je reprends ma phrase, là, parce que c'est important, ça. On ne doit pas se présumer juste ou bon ou correct simplement parce qu'on peut se percevoir, en quelque sorte, comme un peu meilleur que le monde autour de nous ou que notre moralité est un peu meilleure que la moralité, ou je devrais dire l'immoralité du monde autour de nous. De nos nations israélites modernes, qui sont sur le point d'être engouffrés dans la plus grande tribulation de toute l'histoire de l'humanité. Ça, c'est tout proche. On le voit se préparer. Et nos nations vont être entraînées là-dedans. Alors, ce n'est pas à nos nations qu'on doit se comparer, mais on doit se comparer à la culture de Dieu et à celui qui la représente, le Christ. Deutéronome 4. On était dans Deutéronome 11. Allez à Deutéronome chapitre 4, s'il vous plaît. Deutéronome chapitre 4. Vous savez, malheureusement, comme c'est annoncé dans la prophétie, nos nations israélites modernes, Canada, les États-Unis, l'Australie,
la France, la Grande-Bretagne, et ainsi de suite, vont aller malheureusement en esclavage. Et ça, c'est pour bientôt, dans quelques brèves années, comme ça a été le cas dans le passé. Dieu avait longtemps d'avance averti les nations israélites originelles. C'est arrivé, ça s'est produit. Dieu avertit actuellement nos nations modernes. C'est notre travail, les avertir de ce qui s'en vient. Et ces choses-là approchent. Et quand nos nations israélites vont aller en esclavage, elles vont finir en bout de ligne par chercher Dieu, le seul Dieu de leur salut. Et là, nos nations vont être prêtes à ce moment-là à prêter l'oreille. Deutéronome 4, versets 27 à 30. Deutéronome 4, versets 27 à 30. L'Éternel vous dispersera parmi les peuples. C'est ce qui attend nos descendants modernes de nos nations israélites. L'Éternel vous dispersera parmi les peuples, et vous ne resterez qu'un petit nombre au milieu des nations. Donc, plusieurs vont mourir, on le sait par les prophéties, où l'Éternel vous amènera. Et là, vous servirez des dieux, ouvrages de main d'homme, du bois, de la pierre, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni manger, ni sentir. C'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel, ton Dieu, et que tu le trouveras. Encore là, pour eux, à ce moment-là, il y aura une condition. Si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Voyez-vous la bénédiction puis la responsabilité que nous, on a maintenant? Parce que nous, on a à le chercher actuellement, de tout notre cœur et de toute notre âme. OK? Vers un changement intérieur total. On a la possibilité de le faire et d'être épargné des choses qui viennent dans ce sens-là et d'être mis sous la protection de Dieu. On a le choix maintenant. Alors qu'eux se seront rendus dans ces camps de concentration ou dans ces situations d'esclavage qu'ils auront l'idée de chercher l'Éternel. Et Dieu dit, si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme, au sein de ta détresse, et il parle ici de la grande détresse, celle qui est plus grande qu'aucune qu'il y a eu dans l'histoire de l'humanité, même les guerres mondiales qu'on a connues, plus grande détresse que ça. Au sein de cette grande détresse, toutes ces choses t'arriveront, ce qu'on a vu auparavant, ce qui est marqué dans les chapitres précédents. Alors, dans la suite des temps, et l'expression « dans la suite des temps », ça veut dire « au temps de la fin », tu retourneras à l'Éternel, ton Dieu. Pourquoi elles vont retourner? Parce qu'elles n'auront pas le choix. Elles seront en train d'être exterminées totalement. Elles seront dans les camps de concentration, dans les camps de travail, un peu partout à travers le monde en tant qu'esclaves. Et le seul endroit où ils pourront crier, c'est vers en haut. Et ils vont demander l'aide de Dieu à ce moment-là. Alors, dans la suite des temps, tu retourneras à l'Éternel, ton Dieu, et tu écouteras sa voix. Le cœur sera disposé à entendre. Et dans le cas de... C'est fascinant parce que dans le cas de plusieurs de ceux qui ont été appelés à l'Église dans les temps modernes, parfois Dieu a dû nous briser avant de nous appeler parce qu'on ne serait pas venu. J'en sais quelque chose. Il a fallu que Dieu nous enlève plein de choses, déchire notre vie, pour ainsi dire, en petits morceaux. Et là, on a été, comme c'est marqué ici, on a accepté de lever les yeux puis de dire, « Dieu, si tu existes, manifeste-toi, je veux t'obéir. » Là, on était prêts. Et nos nations seront pareilles. Ce sera exactement la même chose. Mais nous, actuellement, on est les appelés, on est les choisis, les élus, les rachetés. Et c'est maintenant qu'on doit et qu'on peut chercher Dieu de tout notre cœur et demander son aide, puis rejeter nos anciennes voies, les voies du monde, de sortir de Babylone, d'abandonner les façons de faire du monde alentour, façons de faire auxquelles on participait de très bon cœur avant, mais auxquelles on ne veut plus participer, ni de proche, ni de loin. Même Dieu dit bien dans sa parole, « Ne t'approche pas du chemin qui mène chez elle », en parlant de la prostituée. Vous trouvez ça dans les Proverbes. Donc, ça veut dire, attendez pas d'être rendu dans l'occasion de pécher, là, à la porte, pour qu'il se passe quelque chose. Si vous voyez que ce chemin-là, dans votre cas à vous, peut vous conduire à transgresser les lois de Dieu, vite, partez. Il dit, ne t'approche pas du chemin qui mène à la maison de la prostituée. Il dit pas, ne t'approche pas de la porte. Ne t'approche pas du chemin qui mène à la maison.
Ça donne vraiment la dimension que c'est dans notre esprit que ça commence, dans notre cœur, et que c'est là que ça doit changer. Une fois qu'on connaît les lois de Dieu, puis qu'on voit qu'il y a une situation qui peut nous amener à transgresser les lois de Dieu, c'est le temps de pas juste partir, de fuir, de virer de bord. Et là on se défend, et à ce moment-là, ce qu'on fait, on fait exactement ce que Dieu nous dit de faire dans Apocalypse 18, verset 4. On sort de Babylone. On sort de Babylone. Sortez du milieu d'elle, ou sortez du milieu de cette société, comme Dieu dit. Mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés. Parce que si je reste dans ces façons de faire-là, et que je m'assassie de près ou de loin, ou même si je regarde juste de loin, mais que j'y participe pas, juste en regardant de loin, d'une façon, j'y participe, parce que je suis là. Quand Dieu dit simplement, par exemple, ne vous assoyez pas avec les moqueurs. Jusqu'à, il y a pas longtemps, il me semble, bien pas longtemps, un certain temps quand même, mais je ne m'avais pas réalisé à quel point, par exemple, les humoristes, sous le prétexte de l'humour, méprisent les autres, descendent les autres pour faire leurs blagues et tout ça. C'est du mal. Alors, si je m'assois pour écouter ça et rire de ça, qu'est-ce que je fais? Je participe à mépriser d'autres. Je participe à transgresser les lois de Dieu à ce moment-là. Voyez-vous? Alors, Dieu dit, sortez d'elle, mon peuple. Ne participez pas à ses péchés, afin que vous ne participiez pas à quoi? À ses fléaux. Il dit, si vous ne participez pas à ses fautes, si vous sortez d'elle de tout cœur, vous ne participerez pas à ce qui va leur arriver. Parce que ce qui a été prédit va se réaliser. Dans un récent Living Church News, ben non, pas récent, ça remonte à quelques années quand même. M. Meredith a écrit ceci, et je vous traduis. C'est un article qu'il avait pour titre « Higher Level ». M. Meredith disait ceci. « Nous ne devons pas regarder la même sorte d'émissions télévisées, de spectacles, de films, de productions Internet et autres formes de divertissement que nos amis du monde ou les gens autour de nous trouvent tout à fait convenables et normales. » Il y a une différence. Avant, on regardait ça, on voyait pas le mal qu'il y avait dedans. Parfois, vous avez certaines émissions ou certains films qui semblent bons. Et tout à coup, tiens, vous avez des scènes de violence, vous avez du mensonge, vous avez de l'adultère, vous avez de la cruauté, vous avez de la méchanceté, des manigances. C'est le mal, ça. Si je m'assois puis je regarde ça, je participe. C'est aussi simple que ça. C'est ça que M. Meredith veut nous dire, puis veut nous faire comprendre. Il dit, ces choses-là, ça ne vous appartient plus. Vous appartenez au Christ, vous avez été racheté. Ne prenez pas le chemin qui mène chez elle. Et ne vous assoyez pas en compagnie du moqueur, ou en compagnie de l'adultère, ou en compagnie du menteur, dans les films ou dans les téléséries ou ces choses-là. Il dit, ce n'est plus votre place. On a tellement d'autres choses à faire que ça. On est en train de se préparer à administrer la terre. C'est d'autant plus important. Je continue la citation de M. Meredith. « Nous ne devons pas nous laisser aller à la même sorte de party ou de beuverie ou de plaisanterie ou de blague à double sens ou méprisante que nos voisins aiment. » Voyez-vous? Ça aussi. Parfois, les gens nous arrivent avec des blagues qui n'ont pas de sens, qui sont aussi méprisantes ou à double sens ou tout ça. On n'a pas à participer à ça. On a à s'éloigner de ça. Et ne se débarrasser de ça, ceux qui avaient tendance à voir ces choses-là. On vient du monde. Certains avaient toute une série d'histoires en réserve dans leur mémoire. Certains, malheureusement, à ce point-là, avaient trop de mémoire même. Alors, ça a tendance à revenir facilement. C'est un combat qu'ils doivent avoir de plus dire ces histoires-là, tout simplement, parce que ça ne nous convient pas. Ça ne convient pas à des chrétiens. M. Meredith finit en disant, « Nous sommes supposés être des chrétiens. » J'aime ça. On est supposé être des chrétiens. On est supposé avoir Jésus-Christ qui vit en nous par son Saint-Esprit. Et à ce moment-là, donc, on est supposé être vraiment différent de tout ce qu'il y a autour. Puis rappelez-vous d'ailleurs la vieille recette de Satan pour amener le monde à pécher. C'est toujours pareil. Ça a marché, ça marche encore. C'est un mélange. Il y a un beau verre, du beau jus d'orange ou du jus de fruit que j'aime, puis il y a trois gouttes d'arsenic dedans. C'est un mélange de bien et de mal. OK? Il y a un film qui a de l'air beau. Ah, oh, ça a de l'air beau. Mais vous avez de l'adultère, vous avez
de l'arsenic, vous avez des violences, vous avez du mensonge, de la malhonnêteté. Alors, c'est un mélange de bien et de mal. Qu'est-ce qu'Adam et Ève ont choisi sous l'influence de Satan? Le mélange de bien et de mal. Exactement. Alors, Dieu dit non, vous êtes du côté du bien. Nous, on doit être du côté du bien et non pas à demi, si vous voulez. Alors, il faut que la présence du Christ en nous, il faut que ça apparaisse. Et il faut que ça apparaisse dans tous les aspects de notre vie. Notre vie de famille, notre vie sexuelle, notre vie professionnelle, dans notre façon de traiter les autres, dans notre façon de réagir envers les autres, dans notre façon de manifester la même patience que le Christ, de manifester de la miséricorde, de la bonté, de la douceur, voyez-vous, et de la fermeté par rapport à la vérité et tout ça. Là, on doit ressembler au Christ. Autrement, on peut être, un peu meilleur, un peu meilleur que certains autour de nous. Si on ne fait pas ça, on peut être un peu meilleur que certains autour de nous. Mais nous sommes encore à des années-lumière de l'exemple du Christ. On est encore à des années-lumière de ce que le Christ ferait s'il était à ma place. Si je ne reste pas conscient que je dois lui ressembler et que je dois éliminer tout ce qui n'est pas de Dieu. Celui qui est vraiment conquis par Dieu et qui laisse vivre le Christ en lui dans tous les aspects de sa vie ne cache rien à Dieu. Ne cache rien à Dieu, absolument rien. Il ne retient rien, il ne garde pas de jardin secret ou de mal, il ne garde pas de compromis avec la loi de Dieu. Il se débarrasse du vieux moi qui est resté dans la tombe liquide. Allez à Ésaïe chapitre 29, s'il vous plaît. Il y a un très beau passage que j'ai lu il y a quelque temps en faisant mes études personnelles, puis je trouve que ça s'applique très bien pour ce qu'on parle dans le moment. Ésaïe chapitre 29, et regardez comment c'est clair. Ésaïe 29, on va commencer à lire au verset 15. Ésaïe 29 et le verset 15. Ésaïe 29, verset 15. « Malheur à ceux qui cachent leurs desseins ou leurs plans ou leurs idées pour les dérober à l'Éternel, comme si Dieu ne les voyait pas. » Ou comme si Dieu ne nous voyait pas. Je peux me permettre ça. Il n'y a pas personne qui me voit. Pas personne qui me voit. Personne ne va savoir. Non, je sais justement. Il y en a un qui va savoir et c'est celui qui est le plus important, c'est Dieu. Il voit à travers vous comme vous voyez à travers d'un courant d'air. Il n'y a pas de misère à voir ce que vous pensez et ce que vous faites. Alors, il dit, malheur à ceux qui cachent leurs desseins pour les dérober à Dieu. Ça, c'est une chose qu'on peut demander à Dieu. Aide-moi à me voir comme toi tu me vois, pour que je devienne comme le Christ, dans l'autre sens. Puis aide-moi à rien cacher, puis à rien vouloir te cacher. S'il y a quelque chose même que moi je ne vois pas, que je dois changer, montre-moi-les. Oui, ça c'est la différence. C'est différent ça que de dire, oui, j'observe le sabbat, oui, je paye mes dîmes, oui, je fais telle chose, je rends service, je change, mais Dieu là, dans ma vie sexuelle, je ne te laisse pas te mêler de ça. Ça, c'est ma vie. Ou dans d'autres aspects de ma vie, ça, je ne veux pas que tu touches à ça, ou j'aime mieux pas y penser. Je t'obéis comme il faut dans le restant, mais pas là-dedans. Non. Malheur à ceux qui cachent leur dessein à Dieu pour les dérober à l'Éternel, qui font leurs œuvres dans les ténèbres et qui disent, qui nous voit et qui nous connaît? Personne ne sait. Hein? J'ai volé l'impôt. Personne ne sait. Non, ce n'est pas un aveu que je fais, là. Je parle de Cain. Je ne veux pas que ces paroles soient retenues contre moi. Mais la personne qui fait son rapport d'impôt et qui triche le gouvernement en disant « Personne ne va le savoir, j'ai assez une bonne combine que je vais sauver pas mal d'argent. Personne ne va le savoir. » Non. La Bible, d'ailleurs, Dieu dit « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Donc, il faut vivre selon les lois du pays. Il faut que je paye mes impôts. Et c'est un plaisir de les payer. Dans le sens que j'obéis à la loi de Dieu, même si, bon, ça me coûte quelque chose. Et je suis content parce que Dieu le voit. Et je sais qu'en faisant ça, ça plaît à Dieu. Qui nous voit? Verset 16, il dit, « Quelle perversité est la vôtre? Si vous pensez cacher quelque chose à Dieu, ou si moi je pense cacher quelque chose à Dieu dans certains recoins de ma vie, je fais une erreur monumentale parce qu'il sait déjà, même quand je commence à y penser. Quelle perversité est la vôtre? Le potier doit-il être considéré comme de l'argile?
Autrement dit, celui qui fait le beau vase en poterie, là, est-ce qu'il est aussi peu intelligent que l'argile qu'il utilise? Dieu se compare au potier, celui qui est en train de... Ouh! Quelle perversité est la vôtre! Le potier doit-il être considéré comme de l'argile pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier, « Il ne m'a pas fait, pas Dieu qui m'a fait, il n'existe pas. » Pour que le vase dise au potier, « Il n'a pas d'intelligence, il ne comprend pas ce que je suis en train de faire, il ne voit pas que je suis en train de voler ou de tricher ou quoi que ce soit. » Oh non! Oh non! Dieu connaît tout, Dieu sait tout. Et Dieu a les yeux actuellement sur ceux qui sont en jugement, c'est-à-dire nous. On est en jugement dans le sens qu'on est sous l'examen de Dieu actuellement, en préparation pour le retour du Christ. Alors, si on est converti, je reviens à ça, si on est converti, si on est conquis, ça ne se produit pas. Ce n'est pas le cas. Parce qu'on veut être du côté de Dieu. On veut être du côté du bien. Pas du côté du mal, ni du côté demi-bien, demi-mal. On veut être totalement du côté de Dieu. Puis quand je me trompe, là, je peux le prendre personnel parce que je me trompe. Quand je me trompe, là, je peux demander à Dieu pardon. Puis je sais qu'il va me pardonner si je suis sincère et que je veux changer, puis il va m'aider. Voyez-vous? Mais ce genre de choses-là n'arrivera pas si je suis vraiment conquis par Dieu et converti. En ce moment, il nous faut plus que jamais nous rapprocher de Dieu puis rester proche de lui, marcher avec lui. Et quand la saison des fêtes du printemps arrive, avec la Pâque, la soirée mémorable, les pains sans levain, c'est une occasion merveilleuse en or de nous revigorer vers cet élan de marcher proche de Dieu, puis de garder cet élan-là au cours de l'année qui vient. On vient de commencer l'année sacrée. C'est une nouvelle année. C'est le temps de rouvrir les livres à zéro, demander pardon à Dieu, demander son aide, puis faire une année encore meilleure dans l'année qui vient que l'année passée. Parce qu'il faut qu'on croise dans la grâce puis dans la connaissance. Plus on va le faire, plus on va vivre les pains sans levain intensément, plus on va continuer à étudier chaque jour, à prier, à jeûner régulièrement, pas juste aux expiations, à prendre le temps de penser, réfléchir aux choses de Dieu. Plus c'est le cas, plus on va voir et plus on va comprendre les actions de Dieu actuellement. Et elles se multiplient en ce moment. Plus on va le voir intervenir dans les affaires du monde, plus on va comprendre son intervention, et plus on va le voir intervenir dans notre vie personnelle. Puis je sais que c'est le cas de plusieurs d'entre vous au cours de ce printemps-ci. Vous avez vu et vous voyez Dieu intervenir dans votre vie personnelle. Et ça, c'est drôlement encourageant. Parce qu'on se sent proche de lui, hein? Quand on voit qu'il est intervenu pour nous, qu'il a ouvert une porte ou fermé une porte, parfois c'est l'inverse, mais qu'il nous a conduit, il nous a donné de comprendre quelque chose, même de comprendre quelque chose qu'on a à changer, on sait qu'il est là, il se manifeste, il est avec nous. Et c'est bon, on a besoin. Et de plus en plus, on devient conscient puis réconforté par le fait que le Tout-Puissant, il est en charge et que ses appelés sont précieux à ses yeux. Chacun d'entre vous, vous êtes précieux à ses yeux. Je vous ai dit l'autre jour que vos noms, à mesure que vous avez été baptisés, ont été écrits dans le livre de vie. Ce n'est pas pour rien. Il y a juste le nom des appelés, des baptisés maintenant qui est dans ce livre-là. Plus tard, ce sera le reste de l'humanité quand ce sera le temps. Mais pour Dieu, ses yeux sont sur son peuple maintenant qui est en préparation. Et si vous voulez vous encourager et voir comment Dieu vous considère, vous irez voir Matthieu 10, versets 29 à 31, quand il parle que Dieu nourrit les oiseaux du ciel et tout ça, et qu'il les considère comme importants. Et à la fin de sa présentation, le Christ dit, « Vous valez beaucoup plus que plusieurs passereaux ou que plusieurs petits oiseaux pour les yeux de Dieu. » Le Tout-Puissant connaît tout de chacun de vous, de chacun de nous, à chaque instant. Nos actions, nos réactions, nos pensées, nos émotions, nos rêves, nos désirs. Ça l'intéresse. Comme nous, si vous avez eu des enfants, vous l'avez vécu, nous on a eu des enfants aussi, on a des petits-enfants maintenant. Comme nous, on s'intéresse à ce qu'ils deviennent, au chemin qu'ils prennent, comment ils pensent, qu'est-ce qu'ils ont découvert, qu'est-ce qu'ils ont besoin d'apprendre. Alors, Dieu fait exactement la même chose avec ses enfants. Il est le Père parfait. Et il nous a appelés pour qu'on soit heureux, à changer totalement, à changer totalement. On est devenu comme les serviteurs de Dieu dans l'Ancien Testament. À cause de ça, parce qu'on ne vit plus comme avant, on est devenu des étrangers et des voyageurs sur la terre.
C'est ça, hein? Quand, dans Hébreux 11, je pense qu'il décrit là, les héros de la foi, là, puis il dit ils sont tous morts sans avoir reçu les promesses, ils vont les recevoir au retour de Christ. Mais il dit ils étaient comme des voyageurs, des étrangers sur la terre. Pourtant, la même place où on vivait avant, des fois la même ville même. Et on devient des étrangers parce qu'on n'est plus comme avant, on a changé justement. Alors, on est devenu comme ces serviteurs de Dieu-là dans l'Ancien Testament. Et on est maintenant en relation de plus en plus étroite avec le Père et avec Jésus-Christ. D'ailleurs, vous pourrez aller voir dans 1 Jean 1, verset 3. C'est écrit, « Notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. » Notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. On va y aller. J'aimerais vous lire un peu plus loin. 1 Jean chapitre 1. Et je dis 1 Jean chapitre 1 et le verset 3 donc. Ce que nous avons vu, c'est le vieux Jean qui parle, et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Et plus on marche comme le Christ, plus on est intégré à la famille de Dieu, dans l'atmosphère de la famille de Dieu, dans l'esprit de la famille de Dieu, sous ce même baptême, dans cette même foi, dans ce même espoir de ce qui s'en vient. Maintenant, allons au verset 5, même chapitre, versets 5 à 7. La nouvelle que nous avons apprise de lui, que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, ce qu'on désire le plus, et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons. Je ne peux pas dire que j'appartiens à Dieu si je continue à pratiquer mes anciennes voies et que je ne travaille pas à les changer. Que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché parce qu'on n'est pas encore parfait et on a encore besoin de cette miséricorde-là. Voyez-vous, le monde souffre de plus en plus. Je ne vous apprends rien, vous regardez les mêmes bulletins de nouvelles que moi je regarde. Il y a du terrorisme qui est en augmentation. Il y a des maladies qui s'étendent, des maladies nouvelles même qui apparaissent. Nos systèmes de santé sont en train de s'effondrer parce qu'on n'a plus les finances pour les supporter, on n'a plus le personnel et ainsi de suite. Les tremblements de terre dernièrement se sont multipliés. Les sécheresses s'étendent. La famine s'ensuit. Il y a de la corruption comme jamais auparavant, des guerres, des injustices. Et tel que promis, Dieu est en train, à ce moment-là, d'intervenir de plus en plus. Ça, on le voit. On le voit se faire. Le temps est venu pour chacun de nous de mettre notre maison spirituelle en ordre. Le temps est venu pour chacun de nous, plus que jamais auparavant, de mettre maintenant notre maison spirituelle en ordre. Et c'est seulement par Jésus-Christ, le chef de l'armée de l'Éternel, que c'est possible. Alors, il faut le supplier à chaque jour de combattre nos combats, parce que seul, on n'est pas capable de le faire. Le Christ a dit dans Jean 15, verset 5, « Sans moi, et là-dedans, il se présentait comme étant le sceptre, et nous, les sarments, qui devons être collés sur lui, marcher avec lui, recevoir sa force, son énergie. » Il dit, « Sans moi, qui suis le sceptre, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire. » Puis de l'autre côté, vous avez Paul qui dit après ça, qui se sent faible aussi, qui a les mêmes combats que vous avez amenés, que j'ai amenés, pour vaincre notre nature humaine, vaincre Satan, vaincre le monde de Satan. Paul qui déclare à un moment donné, « Je peux tout par celui qui me fortifie. » Pourquoi il dit ça? Parce qu'il savait très bien que de lui-même, il ne pouvait rien, mais par le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai, le Christ, en lui, c'était possible d'avoir la victoire. Alors, et c'est la même chose exactement pour nous. Alors, pendant qu'il se trouve encore, moi je vous dis ceci en terminant, cherchons Dieu de tout notre cœur. Voilà comment vivre cette fête des pains sans levain. Un, pour plaire à Dieu, et deux, pour croître dans la grâce et dans la connaissance. Plus spécialement au cours des 7 jours des pains sans levain qui commencent, dans la joie qu'on vit actuellement,
et que ce soit une lancée nouvelle pour toute l'année qui vient.